Il y a longtemps que je me demandais s'il y a moyen de savoir pour de bon ce qu'il faut penser de cette fille de Rémy qu'on a appelée Jeanne d'Arc. Je dis bien qu'on a appelée parce que c'est un nom fictif, c'est un nom truqué. De son temps, personne ne l'appelait Jeanne d'Arc, et même si on l'avait appelée Jeanne d'Arc, elle n'aurait pas compris de quoi il s'agit. Je viens de dire de son temps, et précisément c'est son temps que je voudrais que nous regardions ensemble aujourd'hui, puis comme ça nous la verrons mieux s'y insérer. La France, d'abord. Vous savez, quand on dit la France, on se figure que c'est l'hexagone actuel, que ça a toujours été comme ça, que c'est une détermination géographique, que c'était inscrit dans la nature des choses. Mais il faut bien vous représenter que ce n'était pas du tout au XVe siècle l'hexagone actuel. La France du XVe siècle ne possédait pas ni la Franche-Comté, par exemple, avec Besançon, ni la Lorraine, ni non plus la Provence, avec Aix. Tout ça, c'était des terres d'empire. Et quand Jeanne va dire la France, elle veut dire très spécifiquement, très précisément, l'île de France. Qu'est-ce que c'est que l'île de France? C'est Paris, naturellement, au centre. C'est ce qui environne directement Paris. Et c'est ce que recouvrent aujourd'hui les départements de l'Oise, de l'Aisne, de la Seine-et-Marne, avec un morceau de la Somme. Je vais vous en donner la preuve que Jeanne pensait Île-de-France quand elle disait France. C'est que non seulement lorsqu'elle va quitter son petit coin de Norémy, elle va dire « je vais venir en France », on peut encore admettre, puisque c'était une espèce de ville frontière, mais même quand le roi, à la fin de l'année 1429, va vouloir l'envoyer au siège de la Charité sur Loire, qui est sur la Loire supérieure, elle va dire « oh, moi, j'aurais bien préféré aller en France ». Aujourd'hui, on n'aurait pas l'idée de supposer que la Charité sur Loire n'est pas en France. Pour elle, ce n'était pas en France. Mâcon, qui est ma ville natale, c'était à ce moment-là une ville frontière. Aujourd'hui, Mâcon est très loin de la frontière, mais je me rappelle très bien, mon père, qui est né en 1865, me disait, quand j'étais enfant, j'entendais encore les bateliers sur la Saône qui disaient « tire au royaume » ou « tire à l'empire » selon que le bateau devait s'approcher de la rive de Mâcon ou de la rive de Saint-Laurent, c'est-à-dire la Bresse. C'était resté ancestralement l'idée que l'autre côté de la Saône, c'était l'empire, et de ce côté-là de la Saône, c'était le royaume. Donc, premier point, la France est une assez petite chose qui n'a que peu de rapport avec la situation contemporaine. Le gros drame du roi de France, c'est-à-dire les Capétiens c'est une tribu aux dents longues qui se sont arrondies, qui non seulement sont sortis de l'île de France, mais ont annexé plus ou moins, surtout par des mariages, l'Artois, la Normandie, la Bretagne, la Guyenne, au centre le Berry et l'Auvergne, à l'est le Dauphiné et la Bourgogne. Le gros drame pour ces malheureux Capétiens, c'est qu'ils se battent avec les Anglais. Quand Jeanne va surgir en 1428, il y a exactement 100 ans, c'est en 1328 que la bagarre avait commencé avec les Anglais. Pourquoi donc? Voilà ce qui s'était produit. Le roi de France, Philippe le Bel, avait eu plusieurs fils, mais ses fils étaient morts rapidement, si bien qu'à la mort du dernier fils qui n'avait pas d'héritier mâle, c'est un neveu qui va prendre la couronne de France sous le nom de Philippe VI. Seulement, il y a quelqu'un d'autre qui va protester à ce moment-là. Quoi donc? Le roi Philippe le Bel avait donné une de ses filles en mariage au roi d'Angleterre, Édouard II. Ce roi d'Angleterre, ayant épousé une fille française, avait eu un enfant qui était maintenant le roi d'Angleterre, qui s'appelait Édouard III. Alors quand Édouard III prend le pouvoir en Angleterre, il est roi d'Angleterre, mais il est en même temps le petit-fils du roi de France, Philippe le Bel. Et comme la couronne de France appartient, paraît-il, à un neveu qui s'appelle Philippe VI, il revendique. Et il dit, pardon, un petit-fils a certainement plus de droit à la couronne de France qu'un neveu qui s'appelle Philippe. Je me proclame, disait le roi d'Angleterre, je me proclame roi de France et d'Angleterre. Alors ça va être une succession ininterrompue de guerres. Au début, ça va être les Anglais qui l'emportent. Coup sur coup, il y a deux batailles perdues, terribles pour les Français. Il y a la bataille de Crécy en 36, je crois, oui, 1336. 1346, il y a la bataille de Poitiers. Les Anglais occupent une très vaste partie du territoire dit français. Et puis la situation se renversera avec Charles V, qu'on appellera Charles le Sage, qui est aidé d'un bonhomme vigoureux qui s'appelait Du Guesclin. Et Charles V et Du Guesclin reprennent à peu près tout, je dis à peu près tout, ce qu'avaient capturé les Anglais. Moins de choses, Calais au nord et toute la Guyenne au sud. Maintenant, à qui succède à Charles V? C'est Charles VI. Et en Angleterre, il y a eu du grabuge. Le roi Richard II, qui était petit-fils d'Édouard III et qui avait la couronne anglaise, est en butte à l'hostilité déclarée d'un de ses cousins, qui est de la famille Lancastre, et ce cousin le renverse, le malheureux Richard II, et prend le pouvoir à sa place sous le nom de Henri IV. Le Henri IV ne bouge pas trop, il ne fait pas grand-chose, mais son fils, Henri V, reprend l'idée du grand-père Édouard III, enfin de l'arrière, l'aïeul, et dit, moi aussi, je suis roi de France et d'Angleterre, et je vais reprendre la France. Alors au début du XVe siècle, les Anglais débarquent de nouveau en France,
écrase les Français à Azincourt, c'est 1415. C'est une histoire épouvantable. Azincourt, ça a été un terrible massacre. Toute la chevalerie française s'est faite éventrer sur les pieux obliques et très pointus qui avaient mis les Anglais devant leur camp. Ne réfléchissant pas, les cavaliers français se précipitent là-dessus. Les chevaux sont éventrés et c'est un véritable désastre. 1415. Mais en 1420, les Anglais réalisent un coup fumant. Grâce au roi Charles VI d'une part, qui est devenu fou depuis 1992, et grâce aussi à la femme de Charles VI, qui s'appelait Isabeau de Bavière. Et en 1420, dans la ville de Troyes, un traité absolument solennel, légal, est signé. Le roi Charles VI met sa signature avec les Anglais, avec le roi Henri V. Il donne, lui, Charles VI, il donne une de ses filles au roi d'Angleterre, Henri V. Et il est carrément d'accord pour que le soi-disant dauphin, comme il va dire, c'est-à-dire son propre fils, Charles VII, ne lui succède pas. Et celui qui lui succédera sur le trône, c'est l'enfant, mâle, dont on espère qu'il va naître, de cette conjonction franco-anglaise, c'est-à-dire de la fille française de Charles VI et du roi d'Angleterre, Henri V. Et en effet, l'année suivante, 1421, il y a bien un petit enfant qui naît, c'est Henri VI. Mais bien entendu que le lésé, le paumé, quoi, le petit comte de Ponthieu, c'est-à-dire le futur Charles VII, ne marche pas. Il proteste, il surbiffe. Et quand son père meurt en 1422, il déclare « C'est moi le vrai successeur, c'est moi, je m'appelle maintenant Charles VII ». Par conséquent, à ce moment-là, il y a deux rois en France. Il y a un roi que je puis dire légal, puisqu'il y a un traité signé par le roi de France. Roi de France et d'Angleterre, Henri VI, tout petit, hein, il a quelques mois, c'est un bébé. Alors, il y aura un régent Bedford. Puis d'autre part, il y a le roi de France, qui est purement français, celui-là, et qui s'appelle Charles VII. La différence entre les deux, c'est que le petit bébé Henri VI, il possède Paris et une grande partie de la France, et que le pauvre petit roi Charles VII, il a beau se proclamer roi, il n'est que roi de Bourges, il est là qui navigue entre divers châteaux, à Meun-sur-Yèvre, à Château-Chinon, à Loches, et il a un tout petit territoire. Ce qui complique épouvantablement les choses pour Charles VII, et même pour ses prédécesseurs, c'est l'attitude des grands barons. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les Capétiens s'étaient arrondis, ils avaient créé autour d'eux un certain nombre de grandes provinces. On avait mis là des ducs, des comtes, des barons, et qui représentaient le roi, si vous voulez, c'était les vassaux. Mais c'était tout ça théorique, hein. Et en réalité, c'était une anarchie permanente. Parce que ces fameux vassaux, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes, travaillaient dans leur particularisme local, et se révoltaient carrément contre le roi lorsque leur intérêt les y poussait. C'est ainsi qu'on avait vu le duc de Bretagne en 1425 se rapprocher du roi de France, et en 1427 passer du côté des Anglais. Mais le gros morceau, c'était la Bourgogne. Pourquoi donc? Parce que le premier duc de Bourgogne, qui s'appelait Philippe, il avait réalisé une très belle opération, on l'appellera Philippe le Hardi, et il avait épousé une fille de Flandre. Si bien qu'il avait maintenant deux très grands territoires sous la domination, il avait la Bourgogne avec Dijon pour capitale, et il avait la Flandre avec Bruges pour capitale. Alors il se considérait comme un seigneur d'une extrême importance, se faisait même appeler le grand duc d'Occident, et était un rebelle de choix, un rebelle particulier. Détestait particulièrement la branche des Orléans. Pourquoi? Parce que les Orléans auraient voulu, eux, s'agrandir du côté du Luxembourg et que ça le gênait terriblement s'il y avait une grande puissance, un grand pouvoir entre les deux morceaux de ces États. La Flandre d'un côté, la Bourgogne de l'autre, le Luxembourg l'eût abominablement gêné. Alors le fils de Philippe le Hardi, pour régler la question, avait tout simplement fait assassiner, en 1407, Louis d'Orléans. On va dire dans l'histoire que Orléans égale Armagnac. On va les appeler les Armagnacs. Et du temps de Jeanne, le mot Armagnac est presque l'équivalent du mot français. Pourquoi est-ce qu'on appelle les Orléans Armagnac? Parce que le fils de l'assassiné Louis d'Orléans, qui s'appelait donc Charles d'Orléans et qui était le duc d'Orléans, avait épousé la fille du comte d'Armagnac. Alors les Orléans deviennent les Armagnacs. Et on croit encore aujourd'hui qu'Armagnac égale français, vous dis-je. Mais en fait, ça ne s'était pas du tout passé comme ça, parce qu'en 1412, par exemple, on avait vu une idylle se créer entre les Bourguignons et les Orléans. En 1412, on avait même assisté à cette chose assez ridicule et peut-être un peu monstrueuse, que sur le même cheval, à Califorchon, sur le même cheval, et s'étreignant fraternellement, il y avait l'assassin, Jean sans peur, et le fils de l'assassiné, Charles d'Orléans. Cette idylle n'avait pas duré longtemps, du reste elle s'était accomplie sur le dos du roi de France, puisque, pour apaiser les Anglais, ces deux messieurs, l'Orléans et le Bourguignon, avaient donné toute autorisation aux troupes anglaises qui voulaient rejoindre la Guyenne de ravager, de piller, de rançonner au passage deux provinces françaises qui s'appelaient la Saintonge et le Périgord. Le Jean sans peur de Bourgogne, il est très attentif à ce qui se passe du côté de l'Angleterre parce que, économiquement, sa Flandre dépend de l'Angleterre. La richesse de la Flandre, c'est tisser les laines anglaises. On les tisse à Gand, on les tisse à Ypres, on les tisse à Bruges, si bien qu'en 1418, poussé en douce par les Anglais, Jean sans peur va s'emparer de force de Paris. Paris devient anglo-bourguignon depuis 1418.
Et il y a eu Eisincourt, n'est-ce pas, qui lui montre que la France n'est pas en état de se défendre. Et en 1420, à propos de ce traité de Troyes dont je vous ai parlé, Philippe, le successeur de Jean sans peur, Philippe le Bon, comme on l'appelle maintenant, Philippe le Bon va pousser le plus possible les Anglais à faire ce traité avec la France, pousser le plus possible Charles VI à laisser tomber son petit dauphin Charles VII, parce que lui-même, Philippe le Bon, devient gendre du roi d'Angleterre. Il devient beau-frère du roi d'Angleterre. Par conséquent, à ce moment-là, tout son intérêt est de soutenir son neveu, c'est-à-dire le petit bébé Henri VI, contre son cousin qui s'appelle Charles VII. Tout ça doit faire dans votre esprit une espèce de papillotement, tous ces noms propres qui ne disent rien, qui sont très loin de nous. Alors je voudrais que vous puissiez retenir au moins deux ou trois idées, mettons trois idées. Première idée, l'unité française, l'unité nationale, ce qu'on appelle la patrie française, c'est une chose qui n'existe absolument pas au XVe siècle. Ça viendra au moment de la Révolution française. Mais à ce moment-là, rien qui puisse même y ressembler de loin. D'autre part, faites attention aussi au fait que si les Anglais occupent une grande partie du territoire français, rien ne ressemble non plus à l'occupation que nous avons connue, nous, les Français, entre 1940 et 1944. Et quand on parle de résistance, c'est vraiment par un abus de mots. Un, l'occupation anglaise est extrêmement diffuse. Les Anglais, ils ont, comme tout le monde, des mercenaires. Alors, ils mettent dans certaines villes des garnisons, mais il y a d'immenses territoires qui sont du no man's land. Et puis, d'autre part, les gens ne sont pas tellement hostiles aux Anglais. Oui, c'est pas agréable d'avoir chez soi des gens qui ne parlent pas la langue. On les appelle parfois les godons, à cause de leur interjection goddam. On les appelle les coués. Coués, ça veut dire garni de queues. Parce qu'il paraît que les diables ont des queues, alors les Anglais étant des méchants, ils ont des queues comme les diables. Alors, ce sont les coués. Je sais que dans l'île de France, proprement dit, on parle de Français reniers. Les Français reniers sont ceux qui sont passés du côté des Anglais. Il y en a un dont les gens parlent beaucoup, et je tiens à souligner son nom parce qu'il va apparaître dans notre histoire, c'est l'évêque de Beauvais, qui s'appelle Cochon, Monseigneur Cochon. Il a tellement bien flatté les Anglais qu'il est même arrivé à être membre du Conseil royal d'Angleterre pour la France. Mais de résistance proprement dite, comme nous l'avons connu récemment en France, rien qui y ressemble. En Guyenne même, les Anglais sont très solidement implantés. Les belles familles, les grandes familles ont des alliances avec les Anglais, ont fait du commerce avec les vins entre la France et l'Angleterre, c'est excellent. Et ce sont des milices bordelaises qui, spontanément, vont remettre aux Anglais, contre les forces de Charles VII, les villes de Bazas et les villes de La Réole. Quant à la Normandie, il y a en effet ce qu'on pourrait appeler une apparence de résistance. En réalité, ce sont surtout des bandes, enfin des types, qui essayent de faire des coups de main contre les convois anglais, et je vais vous citer, en m'en excusant, le mot que les gens prononcent à l'égard de ces bandits, on les appelle la merdaille. Alors, un, vous voyez, pas de sentiment national et pratiquement pas de résistance. Deuxième idée, tout ce que je viens de vous raconter avec tous ces noms propres, vous avez dû vous rendre compte que tout ça, c'est des gens qui sont maintenant apparentés. C'est une bande. Ce que l'on appelle la guerre de Cent Ans, c'est en réalité une bagarre d'ayant droit. C'est une rixe entre héritiers. Ce sont des gens qui s'entrégorgent. Je vous ai dit déjà qu'en 1407, Jean sans peur avait assassiné Louis d'Orléans. En 1419, Charles VII fera assassiner, point d'interrogation, c'est pas sûr que c'est lui qui l'ait fait, fera assassiner Jean sans peur. Toujours est-il qu'en 1419, il y avait eu une entrevue entre Charles VII d'une part, Jean sans peur d'autre part, au pont de Montereau, et qu'à la fin de l'entrevue, le Jean sans peur, il est tombé tout à coup sous un coup d'épée que donnait un des hommes de Charles VII. Mais vous savez, ces familiarités un peu brusques entre gens de la même famille, c'était l'usage normal dans les familles régnantes de l'époque. Tout à l'heure, je vous parlais de Richard II qui avait été détrôné par son cousin, mais le cousin Lancastre, il ne s'était pas borné à détrôner Richard II, il l'avait enfermé dans la tour du Temple à Londres et il l'avait fait égorger. Un des fils de Philippe le Bel, qui s'appelait Louis X, que l'histoire appelle Louis X le Hutin, il avait tranquillement fait égorger sa femme. Ça se passait comme ça aussi en Allemagne. Le pauvre Venceslas va voir prendre sa place par un Louis de Bavière. En Castille, il y a un Henri de Transtamare qui va tuer de sa propre main son frère Pierre. À Naples, il y a Jeanne de Naples qui fait tuer son mari en attendant qu'elle soit tuée elle-même par son neveu. Alors vous vous rendez compte que ces nobles familles royales, c'est une bande de truands, c'est un milieu. Seulement comme ils sont au-dessus des lois, personne ne les ennuie. Et la troisième idée que je veux souligner, c'est que ces gens qui se battent, je vous le dis, les bagarres d'ayant droit, enfin les rixes d'héritiers, pourquoi se battent-ils? Ils se battent pour des provinces. Une province, c'est un territoire peuplé. Ils veulent l'exploitation des gens qui sont sur ce territoire. Alors qui est-ce qui déguste réellement dans cette bagarre? Mais ce sont les populations, ce sont les habitants, ce sont les paysans. Ils sont, comme on dit, sur le théâtre des opérations, mais ils ne sont pas simplement spectateurs, hein, ils sont victimes de ces opérations.
Et comme dans les répits, quand on ne se bat pas, et on se bat à coups de mercenaires simplement, quand on ne se bat pas, il y a des groupes qu'on appelle les routiers. Nous dirions aujourd'hui, si vous voulez, des affreux. C'est-à-dire des groupes qui sont disponibles pour qui les paient. Et autant les mercenaires que les routiers vivent sur l'habitant. Les routiers sont spécialistes de ce qu'on appellera la chauffe, ou plus modernement le kidnapping. La chauffe, ça veut dire quand ils arrivaient dans un village et qu'ils voulaient se faire indiquer l'endroit où les paysans avaient caché le bétail pour essayer de le tuer et de le manger, les paysans récalcitrants qui ne voulaient pas dire ni où était le bétail ni où était caché leur petit magot, ben on leur chauffait la plante des pieds, ou bien on leur prenait leur enfant, kidnapping, jusqu'à ce qu'ils se résignent à indiquer la cachette du bétail et la cachette du petit magot. Voilà la situation terrible et infernale qui était celle des populations françaises depuis à peu près 100 ans quand Jeanne apparaît. Elle apparaît en 1428 et quelle est la situation réelle du pauvre Charles VII? Ben, il est minable. Je vous ai dit qu'il a un tout petit territoire. Et dans ce petit territoire et dans sa petite mini-cour de Bourges, il y a des drames permanents. Il y a une valse de favoris. Et pour que les favoris puissent arriver à être favoris, ben, ils s'entretuent les uns les autres. Gillac, et puis Le Camus, et puis La Trémoille. Et puis il y a une femme très importante à qui l'histoire n'a pas donné la place qu'elle mérite, c'est la belle-mère du roi. Elle s'appelle Yolande d'Aragon, Yolande de Castille. Elle a fait épouser au roi Charles VII sa fille Marie d'Anjou et elle tripote tout le temps dans les affaires politiques. Les deux grosses sangsues du royaume à ce moment-là, c'est La Trémoille d'une part, qui est une espèce de futaille rubiconde, et d'autre part un évêque pourri, enfin l'archevêque de Reims, qui s'appelait Regnault de Chartres. Ce sont des usuriers qui vivent sur le dos du roi. En 1428, les Anglais semblent décidés à en finir avec le roi Charles VII. Ils envoient une puissante expédition militaire sous Salisbury contre Orléans. Et si jamais Orléans est pris, vous allez voir ce qui va se passer, c'est le déferlement des Anglais sur le centre et le sud de la France. Et le pauvre roi Charles VII, il va être obligé de se réfugier soit en Dauphiné, le plus loin possible des Anglais, soit en Écosse, parce qu'il a déjà et d'avance marié son fils, le futur Louis XI, avec une fille d'Écosse. Mais la belle-mère Yolande d'Aragon, qui est une forte femme, enfin une maîtresse femme, dit les Anglais, ils n'ont pas encore pris Orléans. Ils ne l'ont pas encore, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et l'Église dans tout ça, il est tout de même intéressant de savoir comment ça se passait, parce que quand on dit Jeanne d'Arc, les idées religieuses y sont étroitement mêlées. Alors il y a une légende que vous connaissez, c'est encore le Moyen-Âge, par conséquent c'est le temps de la chrétienté, une foi générale, et puis il y a le pape qui a son autorité spirituelle et qui confère l'autorité temporelle au roi. Tout ça, ça serait une idylle, vous vous doutez bien que ce n'est pas vrai, hein. En réalité, il y avait tout le temps des disputes entre les souverains et le pape. Parce que les souverains se battent pour avoir une autorité sur le pape, pour bénéficier de son prestige spirituel, et qu'à l'intérieur de chaque nation, il y a des bagarres constantes entre le pouvoir du Saint-Siège et le pouvoir temporel sur les questions de bénéfice. Bénéfice, c'est un mot au XVe siècle et au-delà qui a une importance capitale. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bénéfice, c'est les revenus, le fric. Les revenus que rapportent les grandes abbayes, les grands prieurés, les cathédrales, les canonicats. Comme ça représente de l'argent, vous imaginez que tout le monde se bat. Alors, le pape veut se réserver la collation de la plupart des bénéfices, et les souverains, qu'il s'agisse de l'empereur d'Allemagne ou du roi de France ou du roi d'Angleterre, veulent aussi se réserver la collation de ces bénéfices. Alors, on s'entremange. C'est le Philippe le Bel, le premier, le roi de France Philippe le Bel, qui a jeté le masque du faux respect à l'égard du pape, et qui avait envoyé en 1303 son maréchal, qui s'appelait Nogaret, auprès du pape qui s'appelait Boniface VIII, et il avait chargé carrément Nogaret d'arrêter le pape, comme plus tard fera Bonaparte avec le malheureux pape Pie VII. Nogaret s'était contenté de donner une gifle au pape, c'est tout de même inouï, on n'avait jamais vu la figure auguste de sa sainteté recevoir une gifle, et on aurait pu croire qu'un pareil sacrilège allait tourner mal pour les Français, et bien pas du tout. Ça avait donné une grande docilité au pape, et on va voir venir les papes à la suite de cela, quittant Rome, s'établir en Avignon. En Avignon, c'est-à-dire sous la patte, sous le contrôle du roi de France. Ça ne fait pas plaisir, vous vous doutez, à l'empereur d'Allemagne ni au roi d'Angleterre. Et ça va tout de même durer 70 ans, avec une succession de papes françaises qu'on n'avait jamais vues. Des papes qui s'appellent Roger, qui s'appellent Fournier, qui s'appellent Aubert, qui s'appellent Grimaud. Et ces papes, comme font les papes, ils nomment des cardinaux. Ils vont nommer 134 cardinaux pendant les 70 ans que ça va durer. Et sur 134 cardinaux, il y aura 113 cardinaux français. Contre 13 cardinaux italiens et pas un seul cardinal allemand. Alors vous imaginez les protestations, enfin les haines qui se produisent partout ailleurs. Et voilà que le dernier de ces papes, qui s'appelait Grégoire XI, poussé du reste par Sainte Catherine de Sienne, décide de plaquer Avignon où ils avaient mauvaise réputation, où ils avaient établi une fiscalité épouvantable. Enfin, ils essayaient de faire de l'argent partout, beaucoup en France du reste, pour compenser le fait qu'ils n'étaient plus à Rome et qu'ils ne tireraient plus le revenu de leurs états romains. Alors le Grégoire XVI revient à Rome. Nous sommes en 1377. Grégoire XI.
77. Il ne dure pas longtemps, dès 78, il meurt. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer pour sa succession? Les Romains, depuis 70 ans, étaient furieux de ne plus avoir le pape à leur disposition. Alors il y avait un slogan qui était répandu, un slogan tout de même assez curieux, « Le Christ est romain ». L'histoire, une idée bizarre, mais c'était comme ça, parce que les Romains voulaient le pape. Alors le conclave s'est réuni à Rome, et on désigne de nouveau, pour la première fois après 70 ans, un pape italien. L'archevêque de Bari, qui s'appelait Palignano, et qui va s'appeler Urbain VI. Minute, la France n'est pas contente. Charles V n'accepte pas que ce soit un pape italien. Alors il fait revenir le conclave sur sa décision. Et le conclave qui avait nommé Urbain VI, sous la pression du roi de France, dit « Oh non, non, on s'est trompé, il y a malentendu, c'est pas le vrai, on va en nommer un autre, un Français, qui s'appelle Robert de Genève, et qui s'appellera Clément VII. Et celui-là, Clément VII, il va revenir très gentiment à Avignon. » Alors c'est ce qu'on appelle le schisme, parce que la chrétienté va se couper en deux. Il va y avoir l'Angleterre et l'Allemagne qui vont reconnaître le Urbain VI, puis il va y avoir la France et l'Écosse, qui est dans le sillage français, qui ne va reconnaître que le Clément VII d'Avignon. Tout va très bien entre la France et le Clément VII tant que Clément VII dure, mais voilà que le roi de France a changé, ce n'est plus le brave et redoutable Charles V, c'est ce fou de Charles VI qui est devenu fou en 92. Alors comme le Clément VII meurt en 94, les cardinaux d'Avignon ne nomment pas, c'est insensé, ne nomment pas un Français pour lui succéder, ils vont nommer un Espagnol qui s'appelle Pierre de Luna et qui va prendre le titre de Benoît XIII. Alors ça ne marche plus du tout entre la France et ce pape puisqu'il n'est plus français, qu'il est espagnol. Et il y aura un super schisme. Il y a déjà le schisme que vous avez vu entre d'un côté le pape de Rome et de l'autre côté le pape d'Avignon. Mais maintenant la France elle-même ne veut plus du pape d'Avignon. Et elle va pratiquer ce qu'elle appellera le refus d'obédience. Refus d'obédience, ça veut dire tout simplement refus d'obéissance. Ça veut dire on ne te reconnaît pas comme pape et on ne te donne pas l'argent sur lequel tu comptes. Notez que le roi continue à percevoir les droits ecclésiastiques, seulement il les garde pour lui. Pendant 4 ou 5 ans, les Français n'auront pas de pape. Là, il y a un malin, un napolitain qui s'appelait Balthazar Cossa, qui dit « je vais arranger tout ça ». Il réunit un concile à Pise, et il se fait nommer, après un petit prédécesseur qui ne compte pas, il se fait nommer lui-même pape. Remarquez que le Balthazar Cossa, il n'était pas prêtre du tout, mais enfin, entre gens de bonne compagnie, vous savez, on s'arrange. En 48 heures, on lui donne les ordres mineurs, les ordres majeurs, ce pape est tout de même un prêtre. Mais les autres ne marchent pas. Vous imaginez pas que le pape de Rome va s'incliner devant le pape de Pise, ni que le Pierre de Luna, qui s'appelle Benoît XIII, va marcher aussi pour s'incliner. Si bien que le résultat, c'est qu'il y a à ce moment-là, non plus seulement deux papes dans la chrétienté, mais il y a trois papes. Alors, il y a le pape de Rome, il y a le pape Benoît XIII, qui est le pape d'Avignon, puis il y a le pape Jean XXIII, qui est le pape de Pise. Tout ça s'entrelève naturellement. Et comme chacun sait, que le Saint-Esprit descend directement sur l'élu du conclave, en fait sur le successeur direct de Saint-Pierre. Je me demande vraiment comment la troisième personne de la Sainte Trinité pouvait s'y reconnaître à ce moment-là. C'est vraiment enfin, de quoi y perdre son latin. Le pauvre Saint-Esprit ne savait plus donner du bec, enfin, surtout dans cet entrecroisement à travers le ciel, d'anathème et d'excommunication qui changeait les trois papes rivaux. Alors voilà un groupe de théologiens qui décide qu'ils vont mettre bon ordre à la situation. On va faire un concile, un immense concile écuménique, il y aura 18 000 ecclésiastiques réunis, rien que ça, 18 000, et ça va se passer à Constance. Ils ne seront pas pressés de faire leur pas. Il s'agit d'obtenir des uns et des autres, des trois papes rivaux, que tous s'en aillent. On s'arrangera avec le pape de Rome, on va lui donner une bonne situation, il va devenir évêque d'Ancône, mais avec énormément d'argent, lui il accepte de démissionner. Le Benoît XIII ne marche absolument pas, comme on va le destituer de force, il va aller se cacher en Espagne, à Peniscola, qui est une petite presqu'île, là où était le château du Cid. Et il va rester disant « Je suis le pape Benoît XIII ». Quant à Jean XXIII, le Jean XXIII de Pise, celui-là on le fourra en prison, l'empereur d'Allemagne le bloquera et on n'en parlera plus. Au concile de Constance, ça sera, vous savez, une succession de fêtes et de tournois incroyables. Tous ces cardinaux qui sont là rivalisent de luxe. L'archevêque de Mayence va arriver avec une suite de 500 personnes, secrétaires, conseillers, domestiques, enfin on s'éblouit les uns les autres. À ce moment-là également, il y a une petite histoire en Allemagne, plutôt en Bohême, quoi, qui est désagréable. Il y a un prêtre qui était prêtre, lui qui croyait pour de bon, et qui s'appelait Jean Hus, et qui pense aux conséquences sociales de l'Évangile. Vous pensez, conséquences sociales de l'Évangile, ça fait que l'empereur est extrêmement fâché. Alors on fait venir le Jean Hus à Constance et on le brûle. Le concile de Constance se décidera tout de même en 1417, alors qu'il s'est réuni en 1414, à élire un nouveau pape. Ce pape est en fait le candidat de l'empereur d'Allemagne contre la France, mais la France à ce moment-là, vous savez, il y a eu Azincourt, enfin, elle baisse le nez. Martin V, je vous disais il y a un instant que le Balthazar Cossa, qui s'était fait appeler Jean XXIII, il n'était pas prêtre. Mais le Martin V non plus, il n'est pas prêtre du tout. Mais vous savez, on s'arrange à la diable, enfin, en tambour battant. En 2 minutes, en 48 heures, le voilà prêtre et il est le pape.
Ce pape Martin V, il n'osera jamais dire « prédécesseur noster ». À ce moment-là, l'Église ne dira pas « voici les véritables papes ». C'est un siècle plus tard qu'on dira « les vrais papes, ceux qui étaient les successeurs de Pierre, c'était ceux qui étaient à Rome ». Et par conséquent, les noms que ces imposteurs dont ils s'étaient emparés sont des noms qui restent vacants. C'est pour ça que le titre de Jean XXIII restera vacant pendant des années jusqu'au Jean XXIII actuel. Alors la foi, en réalité, dans cette Europe, vous vous doutez ce que ça peut être, le clergé, c'est un désastre. Les grands de l'Église ne s'occupent que de leurs bénéfices, puis ils font du cumul. Si bien qu'un homme comme Gerson, le grand théologien Gerson, va employer les mots que je vais vous dire et que je n'oserais pas dire si ce n'était pas ce théologien qui les a prononcés. Gerson écrit « Les cloîtres de nonnes sont aujourd'hui, j'espère qu'il veut dire trop souvent, sont aujourd'hui des loges de prostituées. Les monastères ressemblent à des boutiques et les cathédrales sont devenues des cavernes de voleurs. » Et puis cette chrétienté, dite grande chrétienne et qui s'entre-dévoile, savez-vous que les Anglais, sur leurs mercenaires, ils ont mis une croix grecque, la croix directe, hein, la croix droite. Les Français, ils ont aussi la croix droite, ils ont une croix blanche et les Anglais ont la croix rouge. Et les Bourguignons, ils ont une croix en X, la croix de Saint-André. Et bien ce sont toutes ces croix qui s'entre-dévoilent. Et c'est dans ce monde de profond, de boue, que la pauvre petite Jeanne, qui est une paysanne, qui est une petite croyante, qui elle y croit pour de bon, c'est là-dedans qu'elle va intervenir. Donc on peut être sûr d'avance que ça tournera mal pour elle.